Ça, c'est le clapier que j'avais en arrière du garage Transbo, sur la rue principale, ça. J'ai pris des photos, ça, là. Ouais, ça, c'est des photos. Ça a été le premier clapier que j'avais au rang des Moreaux, ça. En 1980, ça. Là, moi, j'ai différentes affaires là-dessus. Ici, c'est un méchou au lapin que j'avais organisé dans le temps que j'étais éleveur de lapin. Ça, ici, c'est un salon du commerce qu'il y a eu à l'aréna de Sevenfeld dans les années 80. On faisait une dégustation de produits de lapin. Je faisais des crottons, puis différentes affaires de faire, là. De la saucisse, puis on faisait goûter ça aux clients. Ici, c'est avec un autre éleveur, puis c'est le ministre du commerce là, dans ces années-là, là. Johnson, ça. Il était venu faire un tour au salon du commerce, puis on a été photographié avec. Là. Dans le temps, moi, je faisais la cantine, là, c'est ça. Là. C'est pour ça que je t'habillais en bleu, là. Parce que j'avais ma cantine dans le salon du commerce. J'ai d'autres photos de ça. Ça, c'est au salon. C'est ici, ça. Là-bas, au clapier. Là. C'est encore au clapier. Ça, ici, c'est, j'avais une annonce pour au coin à Rocher-Transbois pour indiquer où que le clapier était, là, parce que pour les livreurs de moulés, puis tout. C'était mon voisin. Ça, c'est. Là, tu peux pas rentrer dans le clapier, mais il a pris des photos, voilà. Ça, c'était la maternité dans un clapier. C'est ici, tu sais. Clapier numéro 2. Ça, c'était le dessus des cages. Clapier numéro 1. Ah, bon, des vieilles, ça, c'est... Ah, ici, ça, c'est des petits lapins de... Des lapins de 5 jours, ça, ici. Ça, ici, c'est 10 jours. Ça, c'est 10 jours, ça, ici. Ici, et c'est ça, à 15 jours. Il doit y avoir 10 lapins dans ça. Après ça, c'est des coins pour le moulé, puis l'entrée pour la. Ça, c'est des bâtiments. Ça, c'est la même photo qu'ici, là. C'est parce que je faisais de la peinture, là. Ça, c'est un entrepôt. Différentes affaires, là. Ah, ça a été un aménagement que j'ai fait faire là, pour les chemins, là. Ah, j'en aurai beaucoup d'autres, là, mais je les ai pas toutes ici. Fait que ça a été votre occupation principale pendant un bout, là? Ah oui, pendant 30 ans que j'ai fait du lapin. Hein. Est-ce qu'il y en avait bien d'autres dans le coin? Vous étiez pas mal le seul. Ah? Dans le coin, c'est à Saint-Pamphile, c'est à Saint-Pamphile? Oui. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui faisaient ça? Ou c'était... Non. J'étais le seul. Ici, dans l'île du Sud, là, il y avait d'autres petits éleveurs qui en gardaient quelques-uns. Puis quand il y avait des lapins prêts pour l'abattoir, des fois, moi, je les achetais des autres, tu sais, parce que j'avais un quota avec l'abattoir, puis j'avais une passe, puis les autres n'avaient pas de passe. Moi, j'étais reconnu par la SCPLQ, la Société des producteurs de lapins du Québec. Fait que moi, j'avais une passe, puis j'étais connu, là, puis j'avais un quota avec le syndicat des producteurs de lapins du Québec, c'est ça.
J'ai été. Les premiers temps, moi, quand j'ai commencé, je me suis organisé pour ouvrir mon marché, puis j'en ai fait pas qu'avec les producteurs de lapins, moi, là, avec les syndicats. Là, j'achetais, je faisais de la découpe de lapins. Ouais. Tu vois, là, ici, là, il y a un congélateur, ici, là, c'était plein de congélateurs, ici, un bout de temps, là, parce que j'avais un arrêt gourmand, moi. Là, tu vois, là, l'arrêt gourmand, j'étais ici, là. On avait une carte de l'île de Sud, tous les producteurs étaient dedans, ça, là. Et ça, c'était les arrêts gourmands qui étaient. C'était là qu'ils étaient. On avait quatre à Saint-Marfil, moi j'étais le premier. Puis j'étais le dernier.